départ, ça a été un ras-le-bol, surtout général. Voilà, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Bon, effectivement, le point de départ est parti sur Facebook de Éric Drouet. Les gens ont suivi parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Ils n'ont pas suivi parce que c'était une personne sur Facebook qui a dit on fait ça. Tenir un peuple entier, c'est pas pareil que tenir une personne. Parce que là, on a plein d'idées mélangées. Plein d'idées. Donc, ils ne peuvent pas museler le peuple. Ils ne peuvent pas. Par contre, ils aimeraient bien ça. Ils aimeraient bien nous empêcher de parler, nous empêcher d'agir, nous empêcher de penser d'ailleurs, hein, tout pour vous, je dirais. Moi, j'y crois pas au débat. Parce que les débats à l'heure actuelle, je sais pas si on y a vu beaucoup de gilets jaunes dedans. On a vu beaucoup de maires, ça oui. Mais rien que. Ils débattent. On sait pas de quoi. On sait même pas si c'est de nos idées qui débattent, hein, de toute manière. Mais il y a des maires qui n'y sont même pas, ce débat. Non, leur grand débat, moi, j'y crois pas. J'y crois pas beaucoup. Et il y a beaucoup de gilets jaunes d'ailleurs qui n'y croient pas, qui le disent. Pourquoi ? Parce que ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien, notre voix n'est pas entendue. La voix à l'heure actuelle la plus importante qui se monte, c'est quand même cette demande de RIC. Moi, si je prends mon cas personnel, hein, parce que je ne peux pas parler pour les gens, hein, je ne suis pas faite pour ça, mais si je prends mon cas personnel, bah ouais, ma vie courante, on va dire, les enfants, le boulot, le machin, chacun est dans son côté. On bosse, on rentre, on fait son repas, on ne s'occupe pas des gens autour de nous parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est ça qu'il faut qu'on réapprenne peut-être. Je pense que les gens profondément, au fond d'eux, ont besoin de ce contact. Moi, j'ai souvent entendu dire, oui, les réseaux sociaux tuent tous les contacts. Maintenant, on ne s'appelle plus, on ne se téléphone plus, on s'écrit sur Facebook et c'est tout. Et ça a été une occasion pour tout le monde. C'est ce que j'en ressors quand je discute avec les gens. Hein. Une occasion pour tout le monde de se dire, eh bien, on sort, on y va. Cette fois-ci, on y va. Et ce que j'entends aussi souvent, c'est notre dernière chance. Et ben, nous aussi, on a des idées, on a des choses à dire, on a des choses à faire. Et puis, bon, ben, eh ben, on y va aussi. On est en train de se libérer. Puis, on est beaucoup aussi... c'est mon cas, beaucoup de femmes célibataires et on a des enfants et on a besoin de se battre aussi pour eux, pour leur avenir. Donc on fait comme tout le monde, on y va.